qu'est-ce qui tire? La jeune Nora est en vie. Tuez-la, maintenant! Non! Vous avez eu votre chance. Il cherche encore.
sec. C'est déjà plein. Écoute-moi! Je te le jure, je te dirai tout. Je n'en doute pas. Les tueurs qui me poursuivaient à l'éclosion, qui sont-ils? L'Éclipse, un genre de guerrier sacré, une secte, les Karjas de l'Ombre. Les Karjas de l'Ombre? Sauf qu'ils ne sont pas comme les autres Karjas. Ils ne vénèrent pas le soleil. Leur divinité est une sorte de démon. Leur superstition ne m'intéresse pas. Oh, ce n'est pas une superstition. Leur démon est réel. Il a un nom, une voix terrifiante. Et ils font tout ce qu'il dit. Tu dis que ce démon que vénère l'Éclipse a un nom ? Hadès. Il l'appelle comme ça. Hadès. Et tu l'as entendu parler ? Comme un poignard dans mon âme. Une seule fois, quand il t'a vu. Cette voix... une sorte de tintement froid et atroce qui racle les os et vide les entrailles. Un son métallique et trois simples mots. Mais avec la voix d'un démon. Que veulent les membres de cette secte, à part moi ? Je ne sais pas. Mais les Karjas étant en guerre civile, je suppose qu'ils veulent renverser le roi Soleil Avad et reprendre Méridian. Qu'est-ce que je viens faire là-dedans ? Je n'en sais rien. Pendant l'attaque de l'éclosion, un homme m'a suivi. Grand, fort, les yeux vides. Elis. Qui est-il ? La terreur du Soleil. Le faiseur de cadavres, comme on l'appelait. Le champion du roi Soleil dément. S'il avait pu mourir avec son roi. Mais il dirige maintenant l'éclipse. Tu peux me croire, c'est l'homme le plus dangereux du monde. Comment est-ce que l'Éclipse t'a recruté ? Je sais qu'ils ont pris ta famille en otage, mais pourquoi toi ?
J'étais un pillard. J'allais fouiner dans les moindres recoins. J'étais doué pour ça. Ils ont dû penser que je ferais un bon éclaireur. Un jour que je ratissais vers la fin du Créateur, quand j'ai refait surface, ils m'attendaient. J'ai bien ri quand j'ai vu le prêtre. C'est à ce moment-là qu'il m'a montré la motivation d'Hélice. J'ai vite arrêté de rire. Il m'a donné un focus pour me surveiller. J'ai suivi les ordres. Tu avais accès à Méridian. Pourquoi ne pas t'utiliser pour atteindre Avad ? Je suis trop pouilleux pour avoir une audience avec le Roi Soleil incontestable, mais tout ce qu'Ersa et Eren ont pu me dire, l'éclipse l'a entendu par l'intermédiaire de mon focus. Je ne pouvais pas te prévenir. Autrement, ils auraient tué toute ma famille. Pourquoi est-ce que l'éclipse déterre des machines antiques ? Et comment ils les remettent en route ? Je croyais qu'ils voulaient récupérer des pièces, mais au lieu de ça, ils les ont réanimées. Ils ont branché un appareil sur les cadavres pour qu'ils puissent entendre les paroles d'Hadès, et il les a ramenés d'entre les morts. J'ai déjà combattu ce genre de machine. Il y en a d'autres ? Oui, celles que tu as combattues aujourd'hui sont les corrupteurs. Mais il y en a d'autres, bien plus grosses, équipées d'armes antiques. Ils les appellent les porte-morts. Je ne les ai vues jusqu'à présent qu'enterrées, mais après ça, tout est possible. On dirait qu'ils sont en train de rassembler une armée. Dans ce cas, le monde s'effondrera. Et j'aurai creusé sa tombe. L'éclipse devait me tuer parce que je ressemble à une autre femme. Plus âgée, deux fois mon âge, cheveux courts. Qui est-elle ? Je ne sais pas. Mon focus a trouvé son image dans les ruines de la fin du Créateur. C'est peut-être là que tu la trouveras. Tu as trouvé son image dans les ruines ? Comment ? J'ai vu une porte, et à côté, un dispositif ancien avec l'image de cette femme. Mon focus a enregistré l'endroit. C'est vrai que tu lui ressembles. C'est ta mère. C'est moi qui pose les questions. J'en ai assez entendu. Il est temps d'en finir. Je ne te demande pas de m'épargner. Mais si ton cœur est bon, libère ma famille. S'il te plaît. Où est-ce que je peux les trouver ? Mon focus les a localisés. Il y a toujours des gardes. Mais tu devrais t'en sortir sans mal. Tu vas devoir faire énormément de bien pour compenser tes crimes. Tu comptes m'épargner ? Après ce que j'ai fait ? Oui. Forge-toi une nouvelle violine. Une vie meilleure. Alors j'aurai une dette envers toi jusqu'à ma mort. Rends-toi là où ta famille est retenue prisonnière et attends-moi. Leurs vies seront les premières que tu sauveras. Je mérite pas ton indulgence, mais je mourrai pour en être toujours digne. Je t'attendrai là-bas.
patrouille du capitaine Balan a dû croiser des machines à cet endroit. Un des soldats Karja est mort. Les autres soldats ont dû battre en retraite. Mais où ? Encore un soldat Karja. Au moins, il n'a pas souffert longtemps. Ça ne peut pas être le casque du dernier soldat Karja. Il a failli se faire décapiter avant de prendre la fuite. Thank you.
Il y a du sang partout. Une machine a traîné quelque chose jusqu'à l'eau. Mais il a peut-être réussi à atteindre l'île. Focus verrait quelque chose. Il y a du sang partout. Thank you.
sont armés. Qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un chante ? Je pense à ces jouvencelles et je voudrais me faire la belle. Au soleil, infini. Je ne pensais pas être retrouvé. Encore moins par une Nora. Et je pensais pas trouver un Karja débraillé rond comme une queue de pelle. Je m'excuse pour ma conduite. Je me voyais déjà mort. Allez, ton commandant m'a demandé de te ramener au rempart. Pas question d'être accompagné là-bas par une Nora, comme un prisonnier. Bien. Rentre tout seul. Attends. Écoute, je me suis fait attaquer par un carapateur. Il a dévoré mon armure et emporté mon arc. Ce monstre est encore dans l'eau. Je peux pas rentrer à l'avant-poste sans arme. Trouve mon arc, allez. D'accord, juste, recommence pas à chanter. J'ai intérêt à me méfier. Cette machine a l'air coriace. Plus de place. Tu vas pas aimer ça. Ça m'aidera. Mmh.
La neige est glacée par ici. Voilà ton arc. Bonne chance à toi. Merci. Je voulais pas mourir en territoire étranger, comme les autres. Que le soleil éclaire leur chemin. Regardez, c'est des produits de première nécessité. Pendant ton prochain combat, tu regretteras certainement de ne pas t'être arrêté. N'oublie pas de faire des provisions avant de reprendre la route. Tu veux acheter quelque chose? Tu vas trouver quelque chose d'intéressant, je te le promets. Indispensable. Tu ne trouveras pas de meilleure qualité ailleurs. De bons produits à un très bon rapport qualité. J'étais un peu dubitatif sur les bons produits. Tu cherches à nous attirer des barbares ou quoi? On était d'accord. J'ai une lentille de carapateur à vendre. Magnifique. Voilà l'argent. Quelle beauté. Beauté? Les seules vraies beautés, c'est celles que tu ramènes de la taverne. C'est pas tes œuvres d'art qui vont nous faire vivre. Et tu sais pourquoi? Au moins 10 marchands qui en vendent au-dessus. Même si je te l'expliquais lentement, tu comprendrais pas le principe de l'offre et de la demande. Je propose un
marché. Je préférerais autant que tu t'abstiennes de proposer d'autres marchés aujourd'hui. Si tu te montres raisonnable pour cette lentille de carapace. Pas besoin d'admettre que tu te trompais. Parfois, j'aimerais bien qu'un carapateur vienne t'attraper pour te dévorer. Tu vas trouver quelque chose d'intéressant, je te le promets. Parfois, j'aimerais m'être engagé dans l'avant-garde. Sueur et fou.